Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un update lecture, le cinquième. Et c'est sur la dernière saga que j'ai lue de David et Leigh Eddings. Donc c'est Paul Gara, la sorcière, le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai terminé. Donc je ne sais pas si je vais lire d'autres livres qu'ils ont écrits. Parce que il y en a un qui m'intéresserait, mais il est introuvable ou très cher. C'est le Codex de Riva. Donc, bah, écoutez, moi, je vais vous parler de Paul Gara, la sorcière. Donc, c'est la saga qui est juste après Belgarath, le sorcier. Donc, je vous en ai déjà fait un update. Donc, ça, c'est aussi un autre update sur une autre saga. Donc ça, c'est sa fille, Paul Gara la sorcière. Donc en fait, on va récapituler. Il faut commencer par la Belgariade, la Malorée, Belgarath, Paul Gara, et c'est tout. Voilà. Donc en fait, c'est les préquels. Pareil que Belgarath, ce sont les préquels. Donc qui se passe avant la saga de la Belgariade et la Malorée, mais ça se lit après. Donc en fait, dans ce livre, dans cette saga, c'est au tour de Paul Gara de prendre la plume et d'écrire tout ce que son papa n'a pas mis ou qu'il a omis. Donc moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, j'étais super contente. Parce qu'on voit aussi son côté à elle au niveau de, comment dire, de la vie qu'elle a menée. Parce que, elle arrive, elle est toute, elle naît, elle perd sa mère, son père ne s'en occupe pas, elle est, comment dire, c'est les amis de son père qui s'en occupent. Elle s'en sort, tout se passe bien pour elle. Donc le premier tome, c'est Le temps des souffrances. Alors, je vais vous montrer le livre. Le temps des souffrances. Toujours écrit par David et Leigh Eddings. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a d'écrit sur la dernière page. Belgarath le sorcier vient de raconter la grande guerre des dieux. Ses compagnons restent muets, mais tout n'a pas été dit. Paul Gara, sa fille, prend la parole pour éclairer ceux qui étaient jusque-là restés dans l'ombre. Nous savions que sa mère, la louve Polédra, n'était jamais réellement morte. Nous apprenons qu'elle a enseigné la magie à Paul Gara. Nous découvrons l'origine de l'arbre fantastique qui semble avoir toujours été là. La sorcière n'a jamais pardonné à son père de l'avoir abandonnée après la mort de Polédra. Elle nous conte son enfance et son adolescence difficile, sa souffrance à la mort de sa sœur, l'épreuve dont elle est sortie plus forte. Donc j'en lis pas plus. Donc en fait, elle se met à écrire parce que c'est la femme de Belgarion qui veut savoir vraiment ce qui se passe. Et donc, elle force Paul Gara. En fait, elle demande à sa mère, Polédra, qu'elle sache tout ce qui se passe, tout ce qui s'est vraiment passé. Elle est tellement curieuse. Et donc, l'histoire commence comme ça. Et donc, ça nous est raconté. On se rend compte que cette Paul Gara tombe amoureuse à un moment ou un autre, mais bon, c'est dans le deuxième, hein. C'est pas grave, j'en parlerai plus tard. Donc des amours, elle est moi j'ai beaucoup aimé parce que elle est très c'est une femme très forte. Elle a des plein d'idées et j'ai vraiment aimé son histoire dans ces deux tomes. J'ai trouvé que son histoire était vraiment super. Donc alors, contrairement à Belgarath, là, c'est écrit pas trop gros. Enfin, pas trop petit, je veux dire. Regardez.
Ça se lit très bien. Il y a dans le premier tome, alors, bah, plus de 500 pages de toute façon, 563. Et c'est super. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire la suite de la saga après Belgarath, donc Polgara la sorcière. Donc c'est vraiment super. Donc ça, c'était le premier tome. Donc le deuxième tome, c'est les années d'enfance. Voilà. Avec des jolies images, j'aime bien. Alors, je ne sais pas qui c'est qui... Illustration de Marc Simonetti, je trouve ça vraiment bien. Ouais, et l'autre aussi. Ouais, l'autre aussi, c'était le même illustrateur. Donc, les années d'enfance. Donc, ce qu'il y avait décrit tout à l'heure, donc ça explique que sa maman a aidé Polgara à faire de la magie. En fait, à un moment même, le matin, c'est consacré... alors, je ne sais plus si c'est son père, la magie avec son père, et l'après-midi, la magie avec sa mère, ou le contraire, je ne me rappelle plus. Donc, elle apprend de la magie de ses parents, tout compte fait, qui ne sont pas physiquement ensemble, mais elle a ses parents avec elle. Donc, pour elle, c'est très important. Et elle apprend beaucoup de choses, puisque sa mère est très forte et très douée pour la magie. Donc, je vais vous lire la dernière partie. Paul est arrivé trop tard dans l'île des vents, où agonisent Gorek et sa famille, massacrés par des traîtres. Seul a survécu le petit prince Gérant, dont naîtra bien plus tard l'enfant de lumière. C'est à Paul qu'incombe la tâche de cacher l'enfant et de l'instruire. Les générations passent. Polgara aide ses protégés à choisir leurs épouses, assiste à la naissance de leur héritier et les voit mourir l'un après l'autre. Elle-même ne vit pas impunément les milliers d'années qui lui sont promises, mais tout se met en place peu à peu pour préparer la venue de Garion, l'enfant de lumière. Donc j'en dis pas plus, il y en a un peu plus, mais je vous lis pas tout, je préfère pas tout vous dire. Donc c'est vrai que là, donc dans ce premier tome, il y a vraiment la partie avec sa sœur, comment elles s'entendaient bien, comment elles étaient très liées puisqu'elles sont jumelles. Et dans le deuxième tome, là, on voit vraiment maintenant Polgara seule. Et c'est elle qui va élever toutes les générations pour qu'il reste toujours au moins un homme, pour que celui-là devienne le fameux enfant de lumière. Donc, on sent que c'est très difficile pour elle parce qu'elle se rend compte que elle s'attache énormément à ses enfants qui deviennent grands, qui ont des enfants, qui deviennent certains grands-pères, et elle les voit mourir. À chaque fois, si vous voulez, ça se passe pendant des milliers d'années et c'est extrêmement difficile pour elle. Très, très difficile. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce livre. Donc, on a jusqu'à la fin vraiment plein de choses intéressantes. Et donc, à la fin, on revoit tous les compagnons parce qu'ils sont contents qu'elle ait écrit enfin ses mémoires et qu'elle ait bouché un petit peu les trous que son père n'avait pas mis dans ses pages. Donc, moi, je vous conseille vraiment... Polgara la sorcière, les deux tomes. Donc le deuxième, il y a combien de pages? Je crois qu'il y en a un peu moins, 540. 540 pages. Et donc vous regardez, là, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont vraiment sympas. Donc moi, je vous conseille la saga, donc deux tomes de Polgara la sorcière. Donc j'espère que cette date numéro 5 vous aura plu et qu'il vous aura donné l'envie de lire les livres écrits par David Eddings. J'ai vraiment adoré la saga. Je parle de la saga de la Malorée à Polgara. C'est vraiment intense. Donc c'est épique.
Il y a voilà des moments où ils sont joyeux, des moments où c'est triste, mais beaucoup de joie. J'ai énormément eu plaisir à lire oui, tous ces livres, et des moments où j'étais un peu plus triste parce qu'il y avait des personnages qui disparaissaient. Donc moi, c'est ouais, comme un coup de cœur en fait. C'est un gros coup de cœur pour l'ensemble café qui a été écrit par David L. Ennings. Donc je vous conseille tous les livres de la saga Belgariad, Malory, Belgarath et le Polgara. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Eh bien écoutez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Au revoir!